Avant d'être accepté à l'école nationale de l'humour, j'ai été chauffeur de taxi. Ça va être 5,75, s'il vous plaît. Oups. Excusez-moi. Ah, ouais, bah. J'ai pas beaucoup d'expérience. Je vois ça. En plus, j'ai même pas mon adresse. Excusez. Regarde, je t'en parle, je t'en parle. Qu'est-ce que tu fais là? Ma chambre, si. Les murs de ma chambre sont pas blancs de même. Ça fait 6 ans que j'ai pas peinturé. Puis moi, dans ma chambre, j'ai 3 belles lampes en papier de riz. Pas des néons industriels comme ici. On dirait une chambre d'hôpital. Puis pourquoi je me parle tout seul, là? Je sais pas faire un voyage astral? Puis si oui, est-ce qu'il faut que je déclare quelque chose aux douanes, moi, là? Non, 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 non. T'es sûrement en train de rêver. C'est là. C'est là. Tiens, un médecin. Lui, de savoir ce qui se passe. Bonjour, docteur! Pauvre gars. Si jeune. Ah, si j'ai l'air si jeune, c'est parce que j'utilise oil en volée. Comment je vais annoncer ça à sa blonde? Annoncer quoi? You, docteur, je parle! Pauvre Sophie. Elle va trouver ça dur d'apprendre que son chum est dans le coma. Le développeur parti. Je comprends maintenant pourquoi il ne me répondait pas. Je suis dans le coma. C'est bien moi, ça. Essayer de parler à quelqu'un pendant que je suis cliniquement mort. Mon Dieu, je suis distrait. Dans le coma? Mais dis-moi pas que je vais mourir. Ou pire, peut-être qu'en me réveillant, je vais être paralysé pour le reste de mes jours. Là, je vais avoir de la difficulté à l'accepter. Mais je vais finir par m'en sortir grâce à l'aide de mes proches. Là, je vais recevoir des cartes de souhait. Et dans l'une d'elles, il va y avoir un gratteux. Je vais gagner 5000 piastres. Je vais m'acheter une super chaise roulante chez André Vigesport. Je vais m'entraîner intensivement. Je vais faire le marathon de Boston. Je vais le gagner. Je vais devenir une vedette. Ouais! Hey! Tiens, une infirmière qui arrive. Allô? Mon Dieu, je te dis qu'il s'est pas raté, celui-là. Il a-tu vu la face? Il est magané pas à peu près. Ben bon, moi, j'ai une bonne raison. Vous êtes vous regardez, vous, y'a qu'un peu? Je me demande ce qu'on sent quand on est dans le coma. C'est super le fun, devriez essayer ça. Bon, ben c'est l'heure d'y donner son soluté. Pas trop, là. Je surveille ma ligne. Avec ce qui reste de son char, c'est surprenant qu'il soit encore en vie. Bon, ben je vais y aller. Moi, j'ai d'autres légumes à arroser. Mon char? Je me souviens après le party que Sophie a organisé pour fêter mes 30 ans. On est reparti en voiture. Il faisait pas bon. J'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Mais t'oublies la fois, le game des expos, quand je chauffais sur le terrain tout nu, là. Ah ouais, j'avais oublié. Mais quand est-ce que tu vas te décider à te prendre en main? Mais je sais que t'aurais voulu choisir un médecin, là, mais qu'est-ce que tu veux? Non, voyons, où c'est que tu vas chercher ça? Oh non, la police. T'as-tu de la gomme, des bonbons, quelque chose? Ben non. Prends le volant. Ben ça va paraître louche que je conduise assis du côté du passager. C'est vrai, ça. Ben c'est pas si grave que ça, là. Ils vont juste te condamner à chaise électrique. Qu'est-ce que tu fais? Je pratique mon dérapage contrôlé. Voilà donc pourquoi je suis devenu un être végétatif. Est-ce qu'il faut que je fasse suivre mon courrier? Quand on est nourri par intraveineuse, est-ce qu'il faut utiliser la soie dentaire? Tiens, le Sophie avec mon médecin. Allô? Fais-moi pas ça, François! Je fais exprès d'abord. Hein? Résignez-vous, Sophie. Il vous entend pas. Hey, je prends même les ondes de taxi ici, moi. C'est parce qu'il me doit encore 100 piastres. Ben, je vais revenir puis je vais aller au guichet, OK? Niaiseuse. Il va falloir songer à faire votre vie, Sophie. Hey, wow, docteur, je suis pas encore mort, moi, à ce que je sache, hein?
Ben, vous avez peut-être raison. Il est presque mort, de toute façon. Considérez-vous chanceuse de vous en être sortie, Sophie. Mais c'était pas dur, le dessin en forme de airbag, là. Je vais devoir recommencer à zéro. C'est ça, un coup parti, trop don au médecin, toi. Vous, docteur, êtes-vous célibataire? Je le savais. Oui, je suis célibataire. Et vous? Ben non! Ben oui. Ah ben c'est ça, je me dérange pas trop, les tourtereaux. Hein? J'ai envie de toi, docteur. J'ai envie de toi, Sophie. J'ai envie de vomir. Oh, Sophie. Oh, docteur! Oh, mon Dieu, hé! Hey! Hé, hey, passe-moi vite! Hé! Hey! Hey!